Ubundi sinjya nkunda kudiskita details za contrat n'abantu. But I think, did you see the rate of Kwizera saying that we agreed 100 million and we give him 1 million? Yeah, so he's, show me. So he's demanding 99 million so that he sign with Gasogi. He what? 99 million. Okay, but Jarika will share with you. It is a long. It is a, I'm a telephone. I recording ibintu byinshi. Ejo nabahe beat ariko maza kumva iby'amafaranga twumvikanye. Ndetse ngira ngo hari n'ibyandikiye umutoza amubwira ati rwose bongeye haka ngaka naka biriya bintu ubwabyo biriya nabyita nk'ikindi kibazo umuntu atana kinyuka no kuvuga ariko iletere yanditse kuri twebwe yadufashije hari ibyo bimenyetso byose twumvikana twumvikanye kumuhemba ahe twumvikanye kumurokirita n'ukuntu yaje kuhinduranya bavuga ngo bamuhaye imesha handi seso kuba yabikoze kuri ya byatwetse yuko ari ikintu yari yagambiriye ubwo ngira ngo ibigi bitubirekere avuka wacu ntekeza ko ari ikibazo turufata mu buryo buri penali koko ngira ngo iri aletere wamugira inama yo gukora biriya yirengagije yuko muri iki gikoranabuhanga uhamagara umuntu mukavugana cyangwa nibiro byacu birimo amakamera ibyo mwagane byose biba biri kumugaragara ariko mwe gumushize mu gaciro nk'abanyamakuru ikipe ya Gasogi usibye na Gasogi mu Rwanda hari ikipe okay ikipe ifite amikorano twemera na APR APR kuri yagura umukinnyi wa miliyoni 100 ubwo saho yagiye gukina bamuguza nga hanze da ku makipe amwe nabo so ibi ni bikwereka ko hari ikibazo ntekeza ko kiri saye psycho I think this guy he has a problem. It is psychological. Niba ndaba mugira inama really see I don't know ndaje sinzi cyo nabaso kuko nayibonye nange ndaseka urumva ariko nabwe mukoresheje yo wa own IQ bire bintu mwebwe mumva bibaho keretse ko ndi buba I will share you ibi ngibi nubwo ntaje nkunda buri aba mwari bazaga ese amasaza ariko gera rya nabo mwese mukabyibaza ariko byo twumvikanye twa twarabyumvikanye kandi it is there aho tuvuga umushara nabo akavuga ati sawa ati ndabyemeye nyuma yaho ariko nyuma yaho perezida akanivugira ati rwose nta n'ikipe ndasinyira kugira ngo hereke ko ibintu nyibirimo so sinze Olivier wende n'ibintu azabihakana gute ariko giye cyashimishe kurusha ibindi byose he's making our case good ko yanditse kirya kintu nibigaragaza mauvaise volonté yakoresheje kugira ngo arya ari amafaranga niko byumva akigazo bibijyanyima president ko icyo kibazo ariko bivuga yuko ubwo mwatekereza gatiro ya muri Vincent Kolera musore wanyu ariko mwatekereza ko mwakoreye kontra ku mwumvikemo no reka twumvikane coach nguyu really reka mbabwire I respect this man kuko ni mu bantu baba honnête no person is perfect but for people who try to be honest this gentleman is a mug He himself, he called Kwizera Olivier, you remember, in the office. He told you, coach, I'm going nowhere. True or false? No, it's true. It's true. So, him, he, for us, our plan of a new team, it was built on Kwizera Olivier. You understand that? So, the deal of Vita had already aborted. So, we told him, you know, that's why we put even the condition that if you don't go out, because we are always an open team. So how comes that you wanted to eat money from him, guys? But by the way, we are not poor. We may even be poor, but we are rich on heart. So people understand that. We don't need anything, but we need the truth to be out, people to respect each other, people to work with us. You know, that young man, he's like my younger brother. Even tomorrow, we may meet another business cycle, okay? You understand that? So actually, it is very sad to hear that today we are ending in the cold blood. On the blood de fer. You know, it is very unprofessional. Actually, I'm feeling even very. Nanjye bwanjye birambuza kujya kwenda ku bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nta yindi shuwa dufite. Mugerageze n'abakinnyi mu baganirize, bagishe n'inama. Kuko mu by'ukuri, cyewe. Ubuse urumva ko twenda kumurya mangahese uko byapfuye se ntabize none se kuri mutoza yahuye n'abakinnyi buri mukinnyi mu nama ntiyitabira inama se itegura se zita ibyo mubwiye nabyo nibindi so ibyo ngibyo bavandimwe ubuse murashaka mbivuge iki reka tutegereza avoka wacu ariko icyo nabafasha ngira ngo ibyo bindi byose ndabiba mumenye tamuzi ko zari zimeze
Ma question, tu as introduit une nouvelle méthode de fonctionnement du manager avec un projet. Est-ce que c'est faisable ici au Rwanda? Est-ce que c'est faisable dans d'autres équipes? Parce que tu passes une année ici, tu sais au moins au Rwanda. Qui répond, le président ou moi? Et tous. Qui commence? Oui. Moi? Yeah. Ok. Now ikibazo mbajije ntekereza yuko mu byukuri business muri sport birashoboka ariko bisaba kugira plan iri extended ndende ntago bavuga ngo umunsi uraza kubitubona amafaranga bavuga ngo ni ibintu bisaba mbere na mbere gukora projet nko kubivuze y'igihe kirekire ariko ukagerageza kugenda ureba ibyo wavugurura no kugerageza kugenda ujyanisha nibigezo urugero ntekereza yuko kugeza uno munsi ikipe ya Gasogi navuga yuko mu myaka itatu iri imbere nkuko tubireba tubona yuko ishobora kuzatungwa ijana ku ijana n'amafaranga yivamo anyuza mu bikorwa by'ubucuruzi icya mbere abafatanyabikorwa ariko no kugira passive investment kuko for your information abantu iyo utekereje ko ikintu kitazaba ushatse wabireka kukijyamo kuko uba wafeyirinze abantu benshi bakora ibintu ari nabyo nkunda kuvuga nti niba ubwacu dushobora kumva ko twananiwe mu mutwe ubyanye ukagira ikintu byose bikunze kirakunanira ariko iyo utekereje ikintu ukumva ko gishoboka ukakijyamo byanze bikunze wigiramo byinshi kandi ukajya n'imbaraga zo kwesa ibyo wihaye icyo ntekereza uyu munsi football yacu ubwayo ntabwo navuga ko yari football iri commercial ntabwo yari brand yo kumuntu yacuruza football yacu kuko yari imeze yari imiryango idaharanira inyungu so ibyo bwabyo byagize ingaruka mu gutangira ariko uyu munsi niba football ibaye hakaba itegeko football zikaba company ziri registered ntekereza yuko byanze bikunze abantu batekereza ko dutekereza izindi company kugira ngo dukore amafaranga sibyo ikindi navuga wenda ntekereza ko Gasogi ni ikipe ubwacu dutekereza yuko iri ideological dufite philosophy usanga amakipe menshi agira amazina ariko ntagire philosophy so uyu munsi we are building our own philosophy filosofi twifuza yuko n'umukinnyi wese uza muri Gasogi n'umutozo uzaza akayisanga mu filosofi imeze gute yo never say never yo guhangana kugeza ku munota wa nyuma yo gushaka igihe cyose yuko twubaka brand iremereye nini ibyo dukora byose iyo filosofi tutamutse tugiye hanze yayo twaba twareshu ariko ndashaka nkubwire icyo wabajije business it is possible ariko bisaba gukora long term projects à vous coach. Ah, d'accord. Merci pour la question. C'est une question très intéressante et c'est un domaine dans lequel moi personnellement je me sens très à l'aise. Et pour répondre à ta question, je dis tout de suite que c'est possible. Et c'est possible pour tout le monde. Mais comme venait de le dire le président, il faudrait que tous les responsables des clubs arrivent à comprendre que le club en soi est un produit. Le club en soi est un produit. Donc, à partir de la fédération jusqu'au dernier club de la 6e division, ils doivent comprendre que le club est un produit. Et quand on ouvre la garde-robe club, on trouve plusieurs produits à l'intérieur. On trouve les joueurs, on trouve l'image même du club, on trouve aussi les produits dérivés.
qui peuvent dériver de ça. On a les maillots, tout ça. Alors, est-il possible d'avoir réellement cette vision-là ici au Rwanda? Je réponds oui. Pourquoi? La situation géographique du Rwanda est l'une des meilleures aujourd'hui en Afrique. Vous savez, au Congo, facilement, je quittais, quand j'entraînais à Kananga par exemple, si je quitte Kananga pour venir jouer à Goma, je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer. Voyez un peu, le pays est tellement grand, les flux aériens sont compliqués, il n'y a que deux compagnies d'aviation et c'est très difficile. Ça c'est un. De deux, ça coûte cher. Les coûts de déplacement, ça coûte cher. Je vous donne un exemple simple. Si tu es à Goma et il n'y a pas un vol direct sur Lubumbashi dans la semaine, tu es obligé de passer par Kinshasa. Et puis, tu vas à Lubumbashi. Et si tu comptes pour 20 personnes, tu es au-delà de 20 000 $ pour un seul match. Si tu dois compter aussi l'hôtel, c'est trop. Alors que ici, nous avons une facilité, c'est la route. Ici, nous avons un élément très important, la route. C'est comme en Europe. Je peux quitter Bruxelles jusque Paris en conduisant ma voiture. Je peux quitter Kigali jusque Rusizi, même si ça va traîner, mais au volant de ma voiture. Donc, c'est un élément déjà important pour réduire les coûts en termes de budget et essayer de maximiser, injecter dans d'autres domaines du développement du club. Notamment le bien-être des joueurs. Les joueurs peuvent être mieux payés. Ça, juste une parenthèse, je la referme. Mais autre chose, est-ce possible de faire vraiment du football un vrai business ici au pays? Mais savez-vous que certains joueurs sont mieux payés que les gens que vous voyez en cravate, tout ça, devant la machine ordinateur, dans certaines banques? Je pense qu'on a tous la réponse, c'est oui. Ça veut dire qu'on peut vraiment se concentrer sur ce domaine-là et en faire un vrai domaine qui va faire rayonner l'image de ce pays qui rayonne déjà suffisamment bien. Donc, comme l'a dit le président, mais tout cela doit s'asseoir sur un projet bien écrit. Il ne faut pas que les gens pensent que réussir dans le football, c'est simplement remplir les stades. Non, aujourd'hui, remplir les stades ne représente plus rien. Tellement pour les équipes qui sont entrées dans ce business-là. Donc il y a un grand travail à faire. Vous d'ailleurs, vous avez un grand rôle à jouer là-dedans parce que c'est sur vous que reposent tous ces espoirs-là. Donc c'est possible. Gassogi est sur la bonne voie. Et si les autres pouvaient aussi s'inscrire sur cette voie-là, je pense que ça ne prendra pas 3 ans pour avoir un football professionnel au Rwanda. Murakoze cyane ndashaka kubaza Perezida mumaze kutubwira uburyo Gasogi yubatse n'ashaka kuzagira cyane cyane imyaka hagati y'imbere twabonye ko yitwaye mu mwaka wa mbere mu cyiciro cya mbere yashaka hosti mu shampiyona umwaka ukurikira wa shampiyona rwose ibyo mbivuga buri munsi mu ntangamararo ni ukuvuga ngo mwitegure ikipe ihatana uri n'ubutumwa mpaye abadiveriseri bose abari baryanditse ku gikombe mumenye ko tugishaka kuko ntawe byanditse mu mategeko ya competition yuko igikombe kigomba kuba cyaragenewe ikipe mbere yuko se zitangira mu bashaka igikombe Gasogi irimo Hari ibintu bibiri mvuga cya mbere ko bishoboka ko ngo umuntu ufite muri Gasogi nk'inyizanyo atari umukinnyi wanyu akaba ari ngombwa impamvu bafite ayo makuru kuko kuba yanakurura umutoza ariko hari ikintu kimwe kimbabaza sinkunda kujya muntu buri kipe by the way niba tuganira ibintu grand business those are petty things abatekereza gutyo navuga yuko bari cheap by the way I'm not here to answer cheap mind cheap people who think who are myopic actually uwo mukinnyi muvuga Manase ni umukinnyi ufite kontra mushaka ko nyibereka murashaka ko mbereka tamuzize se ni umukinnyi wa Gasogi completely on the square ariko ikindi nkuko mbisubiramo nta mukinnyi numwe utazava muri Gasogi ngo ajye mu yinda jamu including Mr. G captain wacu hariya uburi mukinnyi wese muri Gasogi ni inzira yo gucama kimwe nuko nta n'utazinjira muri Gasogi ariko icyangombwa ni how ibyo ryo bya chantage ziraho ngo twavuganye nawe umukinnyi se kuvuga n'umukinnyi bivuze iki it is very simple of course you are free to talk to me icyangombwa nuko mwingejinga mu bintu biri dubious uramusinyisha amasezerano afite andi
ubwo amategeko aragukarika urabyumva ariko niwe mushaka ngwino tuganire umukinyi tumuguhe kuri terms and condition wata ngira ngo twebwe nago ari igihombo ni igihombo kuri equipe yamusinyishije ni igihombo ku mukinyi ubwe tushaka mbikubwira ahubwo iyo equipe idahanwe yabikoze reka bure ko Manasi afite amasezerano atamwemera kuba yajya mu equipe ngo ni equipe direct equipe itavuganye n'ubuyobozi bwe sicyo washakaga ahubwo iyo equipe nibishaka kuzana ibintu nkunda kwita business ziri cheap yabikora kuko dufata urugero babosko ntibara abakinyi bacu nabandiko ntibakoze deal ntibaje muri CD Kigali hari kibazo cyabayeho iyo chipe by the way material aba bantu bakora ibintu crooks they should get out of football let's be smart we make it a business who ushaka gukina zo cheap popularity deals that is what is causing all of this havoc so for you for your information for the world Manase is a player who can join any team if all conditions are checked and certified. Thank you. Nantuze kumuha rwose. Okay. I'm not a coach. I cannot talk about the football styles and arrangement. So about the prayer we have, for how whom to use and whom not to use, that's not my. Umbaro w'abanyamahanga uyu munsi wa none c'est lui qui va déterminer. Yes. Qu'est-ce que comment je paye? Il y a de nouveau des joueurs étrangers. Alors vous aviez 4, ça fait 6. Mais je ne sais pas comment il va répondre alors qu'il n'a pas encore signé un contrat. Ok, écoute, le Kangosuiz. On répondra à cette question aux conférences de presse de veille de match. Non, ça fait 6 joueurs étrangers. Comptez-vous jouer, rester avec ces 6 ou bien comptez-vous We can even add more. We can add more if they are on calibre of Kasoji. Monsieur le Président, je veux éclairer plus. Ah oui, c'est ça. Non, il ne faut pas. Je pense que la loi dit 3 joueurs dans les 18. C'est ça la loi, non? Ah ouais. 3 joueurs dans les 18. Donc je peux en avoir 130 à l'entraînement. Et c'est à eux maintenant de se battre pour être dans les 3. Je pense que c'est valable pour toutes les équipes, pas seulement pour Gasoli. Donc, deux fois, il se passe quelque chose et c'est important que tu poses cette question-là. Nous-mêmes, Gasoli, durant cette saison, on en a souffert. Il arrive un moment où les étrangers savent que « we are three ». C'est bon, I will play. Because we are three. Tu vois ce que je veux dire? Donc, entre eux, il n'y a plus de rivalité. Donc, eux, ils sont venus pour pousser les locaux, c'est-à-dire les Rwandais, à s'améliorer, à performer. Mais après, ils se retrouvent à 3 et eux-mêmes ne performent plus. Au lieu d'aider les équipes, ils commencent à tuer les équipes. Donc, moi, personnellement, je me dis, au lieu d'en avoir seulement 3, s'il n'y a que 3, je préfère les chasser tous et n'utiliser que les Rwandais. Je préfère en avoir 6-7. Comme ça, entre eux aussi, il y aura une compétition. Et cette compétition-là fera que c'est seulement les meilleurs qui vont monter. Il faudrait qu'ils vont monter sur les terrains ou dans la liste des 18. Sinon, ça nous pose un problème. Nous, on s'est retrouvés à un moment où on n'avait que 3 étrangers. Ils savaient qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. On est dans les 18. Et maintenant, à un moment, il a suffi de prendre un autre étranger au poste. Je ne veux pas citer le poste, mais ils vous diront hein, comment celui qui avait commencé la saison a fini la saison là en flèche. Parce que la concurrence l'a poussé à faire mieux. Donc, dans le management d'équipe, il faudrait que ça s'arrête. 3 étrangers seulement, tout, les gens fainéantes. Et au lieu d'aider le football rwandais à se développer, ils enterrent le foot. Ils sont juste en train de remplir les femmes avec des grossesses. Vous avez quoi dire? Mon dernier mot. Vous avez quoi dire? Les transferts. Non, pour le moment, on s'est limité là. Pour le moment, on s'est limité là. Ah, mais est-ce que vous ayez un joueur à nous proposer?
Tu as dit que tu as dit que tu I decline that. The Kangir, now I'm going to Sadat. This press conference is not about Sadat. So I really decline that. Koko, why? No, we can give Sadat and Hagudu Fumugore, Nacho Dupfa, Jidusanji, Chivanza. Why should I have a problem with Sadat? I don't. Yes, but those ones they have their. Let me tell you, in Mutambara Nyambaga, they can give in Mutamoya Yambaga, Zifatangapu Bay, Burimunosa Sugumanda. So, ubwoko bw'umwanda umuntu ashyiramo, it is his choice. Thank you. Namwe mugiye kuri microphone wenda arije mukoresha amagambo amwe n'amwe akakaye. Urugero bigatuma no abafana ba Rayon Sports bugawe ntaga ari umuntu runaka. Reka mbwire ikintu kimwe. Njewe imiterere yanjye muri kamera yanjye. You hit me, I hit you twice. That is me. Oh, you understand? You slap me, I box you. You get a point? So that is my nature. I'm a fighter. So I would like to advise those people who just abanyendereza babireke respect gasoji unagwa fata gasoji ngo yiti gari mon frère gasoji is far big muri reality gasoji exists than any teams ugiye kubira tushize muri reality world reality, you understand? So please respect, we deserve a respect, is a give and take, it is reciprocal, you understand? So ngatekereza yuko nta kibazo mfitanye n'abareyo, nta nicyo nagirana nabo. I repeat this, nta nicyo nagirana nabo. I don't have any problem with Sadat. I repeat that, kuko ntacyo dupfa, ntago dusangira, ntago aza kuntera iwanjye, duhurira mu kibuga. Icyo mfite wenda ntishimira rimwe na rimwe nagasuzuguruke. So thank you. Hanyuma akaruba ubona ni byiza president. Mon frère, reka nkubwire, please. Anta, I'm telling you, iyi press conference siyo kuvuga kuri Sadat. Muri rusange cyo nkubwira ni kimwe, I reply fire to fire. Okay? You kick me, I box you. As simple as that. Thank you.